Samedi 26 août, Daniel Lévy, décédé le 6 août 2022 des suites d'un cancer du côlon, aurait fêté ses 62 ans. Pour l'occasion, sa femme Sandrine a partagé un message poignant sur son compte Instagram. Une absence douloureuse. Le 6 août 2022, le chanteur Daniel Lévy est décédé brutalement à l'âge de 60 ans. Depuis 2019, le chanteur révélé dans la comédie musicale Les 10 commandements luttait contre un cancer du côlon. Il laissait derrière lui 4 enfants, nés de 3 relations différentes, ainsi qu'une femme prénommée Sandrine. Je vis des moments très douloureux. On dit qu'avec le temps, la douleur s'apaise. Moi, j'ai l'impression que c'est de pire en pire, car le manque s'installe. On prend conscience de la réalité un peu plus chaque jour, avait-elle notamment confié lors d'un entretien accordé aux Parisiens. En février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin, Sandrine avait également tenu à adresser un message à son défunt mari sur Instagram. Mon amour, aujourd'hui et pour toujours mon mari, notre princesse. Belle fête à tous les amoureux. On vous aime, avait-elle écrit. Ces quelques mots pour te dire que rien n'est plus pareil. Samedi 26 août, Daniel Lévy aurait fêté ses 62 ans. Pour l'occasion, Sandrine Lévy a partagé un message poignant sur le compte Instagram du chanteur. À l'aube de tes 62 ans, ces quelques mots pour te dire que rien n'est plus pareil. Mais tu m'as appris à être plus que forte et à croire que tout est pour le bien, même si ton absence fait mal, chaque jour. Ton public est là, nos amis, notre famille bien sûr aussi. Il reste à nos côtés avec un amour sans faille. C'est le dernier anniversaire sans toi avant l'arrivée de Makia pour que nous nous retrouvions mon amour. Shabbat shalom mon mari je t'aime, a-t-elle écrit. Sandrine a accompagné ce beau message d'une photo où on voit le couple tendrement enlacé. Je pleure mon mari tous les jours. Je sors du cimetière. Bon courage à tous ceux qui souffrent, a écrit la chanteuse L'âme dans les commentaires. Un message poignant. Supérieur à supérieur à supérieur à cliquer ici pour découvrir la publication de Sandrine Lévy.